Une tentative d'assassinat, des caches d'armes, du racket, un repenti sans statut, c'est le scénario à tiroir de ce procès qui s'ouvre devant le tribunal correctionnel de Marseille. Tout commence en février 2010. Dénoncé par une lettre anonyme après une tentative d'assassinat, deux anciens braqueurs, Jean-Marc Bonelli et Florent Letch, sont arrêtés. Les deux hommes détiennent des clés. Elles ouvrent des boxes de garage situées sur les hauteurs d'Ajaccio. Une deuxième cache, située à la résidence de Lauré Dubois, est découverte. À l'intérieur, des lance-roquettes, des grenades, une voiture volée et les plans d'un dépôt de transport de fonds. Mais l'affaire prend une autre tournure. Claude Chaussat, dont l'ADN a été retrouvé dans un des garages, fait des révélations. Selon lui, ses anciens amis auraient racketté une entreprise de BTP bien connue à Ajaccio. Mon client conteste formellement l'ensemble des faits qui lui sont reprochés dans le cadre de ce dossier. C'est ce qu'il a fait depuis, j'allais dire, sa première heure de garde à vue, tout au long de l'enquête, tout au long de l'instruction qui s'en est suivie. Monsieur Bonnet, il ne s'est pas enfermé dans le silence. Sur les comptes de l'entreprise, les enquêteurs découvrent de nombreux achats de voitures. Mercedes, Porsche, BMW, 27 en tout, payés par l'entreprise en quelques mois, pour un montant total de 1 271 000 euros, selon l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence. L'une de ces voitures serait utilisée par Francis Castela, figure du banditisme insulaire connu pour trafic de stupéfiants. Une autre, par Pascal Dionizi, connu lui aussi des services de police. Près de 3 millions d'euros auraient été détournés des comptes de l'entreprise CIT, Société Insulaire de Téléphone, spécialisée dans l'installation de lignes et de travaux de bâtiments. Près de 900 000 euros de biens, appartements, montres de marque, voitures ont été saisis par la GRASC, l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis. 11 personnes comparaissent pour extorsion de fonds et détention d'armes. Elles contestent les faits qui leur sont reprochés. Thank you.